Bah écoute, c'était une belle surprise. Effectivement, je me doutais un petit peu légèrement parce que je les connais bien, les Yankee Tongue Farmers, mais je me suis dit non, ils vont pas le faire. Bah si, ils l'ont fait. Donc voilà, je les aime très très fort. Merci. Et merci à Hervé et Martine d'être venus parce que c'était une surprise aussi. Et les Yankee Tongue Farmers. Bon, je les ai déjà entendus, mais là, les avoir en live tout près pour nous tout seuls, c'est vachement bien. Et puis, fêter les 20 ans de Virginie, c'était pas mal aussi, ça. Ouais, hein? 20 ans. Voilà. Bah, moi aussi, j'ai 20 ans. Oui, toi aussi, t'as 20 ans. Voilà. Dans la tête, on a toujours 20 ans. Enfin, ouais, non, on les a. Ouais. Bon, oh, voilà, bon, maintenant. Voilà, donc, les HTF. Les Yankee Tongue Farmers, c'est bien. Revenez. Quand vous voulez, mais surtout, venez les voir. Sur le premier set, très très bien, très heureux de venir jouer avec mes potes suisses qui sont adorables. Un public radieux, ravi d'avoir souhaité l'anniversaire de Virginie. Très bonne scène, très bon public, très bon son. On a pu jouer avec les caméras, comme tu as pu voir Michel, et on s'est beaucoup éclaté. On est un petit peu fatigué par la route, mais 700 km de la Suisse jusqu'ici, c'est rien, c'est pas cher payé. Je vais laisser le micro à la violoniste qui m'accompagne d'habitude pour mes concerts solo, qui s'appelle Emma Sampere. Allez, bon, non, c'était super, franchement, c'est la première fois que je vois les Yankee Tongue Farmers. Je connaissais, j'avais déjà entendu sur CD, mais voilà, je suis ravie en live de les avoir vus. Voilà, c'était super bien, bravo à tous, je trouve ça génial. Merci à tous. C'est un morceau qui s'appelle Down in Flame, qui dit en gros, si un jour je descends en flamme, ça fera mal et les gens se rappelleront de mon nom. En attendant, on voudrait quand même remercier quelqu'un particulièrement, c'est une amie très très chère. On avait promis de se taire jusqu'au morceau numéro 10 qui est arrivé. Donc je vais demander à Virginie de se lever. Voilà, c'est quand même un moment important. Un moment important dans une vie. Elle devient adulte. Elle a 20 ans aujourd'hui. Voilà. Donc là, on va la faire monter sur scène, en fait. C'était hier que j'ai entendu, désolé. Allez. Bien fini. Voilà, il y en reste une. Alors, vous avez remarqué qu'ils sont pragmatiques parce que Danny, par exemple, le pragmatique de la bande, lui offre une clé USB à l'effigie des HTS. Le prince de l'informatique. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut parler, mais on veut juste te dire qu'on est très content de te connaître, que tu sois notre ami. On te félicite pour nous avoir fait venir jusqu'ici, c'était pas facile. Et voilà, et Bill, il a même pleuré quand il l'a appris. Je me rappelle, tu as versé ta petite larme. Voilà. Donc ce que je voudrais pour son anniversaire, c'est... Pour Virginie Pépé ! C'est tout ? Non, ça va pas du tout. Pour Virginie Pépé. Donc à tes 20 ans, c'est ça, hein ? C'était hier. Maintenant, donc, je suis désolé, ça va être un petit peu long. Virginie va vous faire un discours qu'elle a préparé. Alors, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Ça fait quelques années. Je l'ai connue, j'étais un petit peu novice dans la danse. Et on a tout de suite accroché, je pense. Enfin, je crois. Voilà. Je les ai connus à Arcachon quand j'avais seulement quelques années de danse. Et depuis, on se voit peut-être pas souvent, mais en tout cas, on s'aime toujours très très fort tous. Moi, je vous aime très très fort. Je vous remercie d'être venus jusque-là. C'était pas facile de vous faire venir. Vous êtes venus, c'était pas facile de faire venir le public. Mais merci à vous d'être là aussi. C'est grâce à vous. C'est trop touché, j'avais dit non, on parle pas de mes 20 ans. Si j'ai 20 ans, c'est bien.
ça tout le monde le sait. Mais merci. Je vous aime très très fort. Et je sais pas, on peut peut-être dire, je suis peut-être pas le 7ème farmer, mais presque. Si, c'est ça. Merci à vous. Et merci pour mes hanches. Hein. Une belle abuse à tout le monde, c'est trop bien, c'est moi qui vais la faire en dernier. Autrement, j'ai une phrase à vous dire pendant ce moment intime. Le bar est ouvert. Deux secondes pour essayer de oui. Soit de les retrouver, ces gens.